Bienvenue sur Livingstone, la chaîne dédiée aux tiny house en France. Les tiny house, c'est ça, ce sont des petites maisons écologiques en bois construites sur une remorque pour pouvoir les balader comme on a envie. Alors si j'ai décidé de créer une chaîne, c'est parce qu'il y a quelques mois, quand j'ai quitté Paris pour me lancer dans l'aventure, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas franchement beaucoup d'infos sur le net en français et encore moins en vidéo autour de ce petit phénomène. Oui, j'ai des notes, parce que déjà, j'ai pas de mémoire. Et en plus, j'y vois rien. Alors, quand j'ai décidé donc de me lancer dans l'aventure Tiny House et de construire ma propre maison, je me suis dit, sois malin, t'as pas de mémoire, filme absolument tout ce que tu vas voir. Et donc, je me suis retrouvé sur le terrain. C'est 7 playlists, un mois entier, avec des constructeurs pros vraiment sympas qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont montré tout ce qu'ils savaient faire. Une construction entière de A à Z. J'ai rencontré des habitants de Tiny House, j'ai rencontré des autoconstructeurs de folie qui, depuis, ont monté leur boîte et produisent des maisons de qualité. J'ai même commencé à construire ma propre maison et tu peux suivre la construction sur cette playlist. Et peu à peu, j'ai dit toutes les infos que j'ai pu récolter dans des vidéos en essayant d'être aussi clair et accessible que possible, y compris pour quelqu'un qui n'y connaît rien. Car si, comme moi, tu n'avais jamais vu une vis en vrai avant, ces vidéos sont faites pour toi. Et même si tu t'y connais un peu, tu pourras glaner une ou deux infos. Et tu pourras construire ta propre tiny house et conquérir le monde. Et d'ailleurs, en parlant de monde, c'est la suite de l'aventure. Une fois ma maison construite, si elle roule bien, si elle arrive à franchir le Mordor qui se trouve en face de mon hangar, si elle arrive à franchir le périph' bordelais qu'on appelle également la rocade, je devrais pouvoir vous emmener en petit tour d'Europe et peut-être même en tour du monde. Le monde, ce serait cool, ce serait vraiment cool. Comme j'ai envie de vous emmener avec moi et que vous participiez à l'aventure, ce sera un voyage interactif et vous pourrez agir sur mes déplacements, mes décisions, me guider, un peu comme un jeu vidéo. Toi aussi, tu tires la langue quand tu fais des réglages ou tu bosses un peu sur des trucs et tu sais pas pourquoi on fait ça. À côté de ça, j'en profiterai pour vous faire partager mes rencontres autour de la vie nomade digitale, voir s'il est possible de vivre comme ça aujourd'hui, des rencontres autour des mouvements raisonnés, des solutions alternatives, bref, le monde de demain. Et bien sûr, quelques passions, kitesurf, parachute, parapente, toutes les conneries qu'on pourra croiser sur la route, même les trucs qui font peur, les trucs qui sont beaux, bref, tout ça. Pourquoi ? Parce que ça a tendance à nous amener dans des petits coins de nature que personne ne fréquente, et ça, c'est vraiment la classe. Donc, si tu es prêt à te manger droit dans les gencives une bonne dose de fun, de lol et de love, reste connecté et n'oublie pas, abonne-toi, sauve un chinois. En vrai, je crois que le chinois, c'est moi. Parce qu'on me dit tout le temps que j'ai les yeux en amande.